Je m'appelle Béranger Mailloux, donc je suis président de la distillerie des Bûches, qui est une petite distillerie artisanale située à côté du Puy-en-Velay. Bonjour, je suis Patricia Périllon, je suis conseillère à la Chambre de métiers d'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, en Haute-Loire. Je travaille avec ma compagne dans cette activité qui est spécialisée dans la fabrication de spiritueux, notamment whisky, gin, vodka, liqueur de verveine et depuis peu un rhum. Nous connaissons Béranger Mailloux depuis 2017 lorsqu'il a créé son entreprise et il nous a recontactés en 2019 lorsqu'il avait le projet de participer à un salon à Paris. Entre-temps, on avait perdu notre principal client, donc il a fallu se réinventer, il a fallu trouver des nouvelles manières de vendre. Nous lui avons proposé 2 jours de formation pour préparer ce salon et puis aussi un diagnostic de son entreprise pour élargir un peu le champ des possibles. Donc l'accompagnement s'est déroulé sur 2 jours au sein de la Chambre des métiers. Donc nous étions un peu moins d'une dizaine de chefs d'entreprise présents. La formation s'est déroulée au mois de mars et le salon se déroulait au mois de septembre. On a dû apprendre à présenter notre société, à capter des clients, à mettre en valeur nos produits, à faire du suivi client. Et donc tout ça a été est arrivé pile poil au bon moment dans notre construction de commercialisation. Les échanges avec les autres chefs d'entreprise nous ont aussi fait prendre confiance en nos tarifs. Voilà, de ne pas avoir peur de vendre trop cher. L'accompagnement comprend aussi le financement du salon, puisque l'aide de la région est égale à 50% du coût du salon avec un plafond. Donc M. Mailloux a pu bénéficier d'une aide de l'ordre de 1 200 euros. Ce qui financièrement était compliqué pour nous est devenu possible. Ce qui m'a le plus marqué dans cet accompagnement, c'est la capacité à rebondir de M. Mailloux, puisqu'il a quand même évoluer au niveau de son développement commercial, changer son business model. Je pense que s'il fallait retenir qu'une chose, si je devais donner un conseil à un autre chef d'entreprise, ce serait uniquement ça. La Chambre des métiers est à ta disposition, contacte-les, peu importe le sujet. Si j'avais un conseil à donner aux chefs d'entreprise, c'est de profiter des accompagnements que propose la Chambre des métiers, parce qu'ils sont adaptés aux besoins des chefs d'entreprise et il a affaire à des experts dans plusieurs domaines de compétences, que ce soit encore une fois en termes de développement commercial, de ressources humaines, de gestion. La Chambre des métiers est là.